Allez, GL. Ah, c'est bon. Bah, bonne chance à tous les deux. Faites de votre mieux. D'ailleurs, sur PC, ça n'a rien à voir, je vois l'aigle, il y a un mode pour remplacer l'aigle par Thomas 3. Bon, le match commence par un saut du cul par Kayon, mais tout de suite le burst. Kayon qui reprend l'avantage avec ses jumping mini mix, ça fait un overhead. Et le wall break avec super, ça fait assez mal, surtout en garde un knockdown, et avoir un knockdown avec Kino, c'est très bien. Ce sera le mix shop et c'est la mort. Ensuite, le contre-star 6P après un backdash de Canyon, ça fait du mix. Le gold burst de la part d'Exon, il y a toutes ses méthodes. Maintenant, ça devrait bien encaisser les coups. Parce que plus Giovanna Mentor, mieux elle encaisse les coups, plus elle fait mal. Le bon combo droppé de la part d'Exon. Les Yellow, les choix de Yellow Arce pour essayer de sortir de la garde. Mais c'est Exon qui gardera l'avantage. Avec une pression de Giovanna qui fait très peur. Le grab. Et Kayon qui peut rien faire là. Et passe au round suivant. Sur le retour, on va voir comment Kayon, comment Exon va se débrouiller cette fois-ci. Malheureusement, il a perdu contre Kayon. Au début, il essaye de mettre la pression un maximum possible, mais avec le Street of Victory into backdash, ça le carotte extrêmement. Il est dans le coin là maintenant. Il va se faire. Ouais, il a essayé de bait le burst, mais malheureusement, ça n'a pas marché. Très très bon anti-air de la part d'Exon, ça burst encore une fois. Et le closage counter hit sur conversion avec RC, on gagnera un knockdown dans le coin en plus, et le grab. Là, Exon, il est dans une très très bonne position. Schmix, ça va péter le mur, et c'est le premier round qui va pour Exon. Premier match plutôt, qui va pour Exon. Très très bien joué de sa part, il a su s'adapter par rapport au Winners Bracket. Là, ça repart sur des dash encore une fois de la part de Kayon. Il essaye d'être aérien un maximum possible. Très très bon de HS. Malheureusement. Le burst instantanément. Ouais. Ah, et là, c'est là que le fun commence. Ouais, c'est là que le fun commence. Voilà, qu'est-ce que ça va être? Qu'est-ce que ça va être? Ça continue de mettre des close S, autres. Ça, le mix-up en fast RC vers un low. Kayon se les mangeait à chaque fois. À chaque fois. Donc ça, c'est très très bien vu. Joli devant derrière. Mais malheureusement, il s'est fait airshop. Ouais, très très bonne RC into airshop. Là maintenant, c'est Exon qui subit dans le coin. Et il va malheureusement succomber à la pression de Kayon. Est-ce que Kayon va ouvrir en stroke de victory? Voilà, c'est bon ça. Ouais. Mais malheureusement, il se retrouve dans le coin. Là, c'est le pressing infini. Très très bon. Très très bon schmix de la part d'Exon. Très bon. Il y a pas vraiment assez de mettre. Voilà, la dive pour sortir du coin. Ça se passe. Direct après le stroke de victory. Donc, malheureusement, il prend le encore une fois. Exon qui a essayé de punir, j'ai l'impression. Et il te prend la Va pas casser le mur. Ouais, ça va casser le mur, ça va donner un setup en Akizeme. C'est pas mort. Il lui reste un tout petit peu de vie, mais je pense de toute manière, voilà, il se prend un truc. Là, il met bien un coup de flat pour éviter la quoi. Très bon ça. Très très bon, Kayon. Est-ce qu'il va burst? Oui, il va burst. Il a vraiment envie de gagner ce match. Exon, il essaye de poke en préventif, mais malheureusement ça ne va pas marcher. On va pas s'échapper, Dino. Il faut qu'il en trouve en flex. Et là, ça va être 1-1 pour Kayon. C'est assez serré quand même, je trouve. Hein. C'est vraiment très 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 serré. Ouais. De la part de Exon. Exon qui a essayé le round serpentière, mais il s'est pas fait punir, heureusement. Très bon bait de burst. Ouais, très bon bait de burst. Kayon, à chaque fois qu'il est dans le coin, il va essayer de trouver une opportunité pour dive et sortir. Ce qui est tout à fait normal parce qu'il n'a pas envie de subir la pression comme vous êtes en train de le voir. Dans le coin, il réussit à se sortir du coin grâce à un stroke de lui. Il est au RC, il réussit à mettre l'overhead. Oh, très joli. Il a raté son devant derrière, mais il a réussi à capitaliser sur la chop, mais ça ne
ça ne l'aidera pas parce que Exen quand même réussit à prendre le round. Voilà, le 2 HS, mais Kayen est très très friand de cette ouverture aussi avec Shock the Victory. Très bon 5P qui sera là pour mâcher hors de la pression. Là, la pression 5S, le close S, le close H. Ça fait très peur parce que c'est très rapide hein, ce stage de Giovanna. Et comme d'habitude, le verse après le RC de Kayen sur cette phase. Ça essaie d'en tirer, mais ça c'est très punissable d'en tirer Giovanna en bloc. Vous pouvez peut-être mâcher un punch ou un kick, mais essayez pas son tirer comme ça. Parce que sinon, après, là, très bon tir encore une fois, Counter Hit, ça va être une effet. Pas mal de dégâts. Avec le knockdown après. La pression qui continue, le heal RC pour essayer de s'en sortir, mais Exxon répond avec un autre heal RC, encore une fois entière. Ça va pas casser le mur, ça a fait tuer, mais le burst instantanément arrête le match de choc. Ouais, il réussit à le choper. Ça arrête directement tout ce qui est agressif d'un coup net. Et là maintenant il va se manger le smith. Très très bon B, mash P pour se sortir du coin. Là on se retrouve en neutral. C'est vrai qu'Exon ça galère un petit peu en neutral. Giovanna ça galère un petit peu en neutral. Mais là par contre on est dans le coin, c'est une toute autre histoire. Kayen il essaye de s'en sortir tant bien que mal. Il a dû claquer son burst pour pouvoir sortir. Et là, c'est lui qui reprend l'avantage, et c'est parti pour le Schmix, Dino. Il le burst direct, mais en même temps, c'est le dernier round. C'est le dernier round, donc il pouvait rien faire dès qu'il a eu son burst, il a dû burster, mais... C'est avant face au 6P. Donc là, c'est quasi, c'est qui Kayen gagne, là, il a gagné tout court. La note Dino, petite anecdote sur la note Dino, plus elle parcourt de distance, plus elle fera de hits. Je crois que distance maximale c'est 5 hits, et corps à corps c'est 1 hit. Ah, le très bon dos. Est-ce qu'il il a essayé de bait le burst, mais malheureusement Kayen n'a pas burst. C'était burst safe, c'était beaucoup trop haut, et là il va capitaliser là-dessus, il réussit à avoir ça. Je pense que le RC, même si il sait qu'il est positif, je pense que le RC c'est plutôt pour essayer de mettre un mix au bas, mais malheureusement ça n'a pas marché. Oui. Là il se retrouve dans le coin encore une fois, il se prend un counter hit, là ça va être très très dur. Mais malheureusement Kayen qui drop son combo, mais qu'il arrive quand même à finir Exxon avec sa dive. Encore une autre fois, une ouverture en 2 HS. Là, Exxon, il va essayer de mixer avec son dash cancel. Encore deux shops là pour l'instant. Qui passe. 5S, close slash. Et ça repart encore une fois. Il se les pousse tout manger. Encore tous les phrases RC, il les a mangés. Malheureusement, il a pas su s'adapter à ça. Et il a réussi à temporiser, réussi à frame trap pour prendre le deuxième round. Là, c'est. Peut-être la balle de match pour Kayen. Ça claque directement le burst. Oh, le burst très très mal joué de la part de Kayen là, qui malheureusement était beaucoup trop haut pour burster. Là, c'est Exxon qui l'a dans le coin et c'est l'heure du Schmix. Voilà, il va essayer de capitaliser un maximum sur le tir. Très très jolie conversion. Malheureusement, ça repart en neutral. Il n'a pas pu avoir le hard knockdown. Et Kayen, il va en profiter pour essayer d'établir un Schmix encore une fois et qui se relève en commande crap. Ça, c'était très très ballsy. Très 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 ballsy. Ça va mettre énormément de dégâts. Shock the Victory encore une fois. Ah, ça rate. L'overhead, il rate. Il se prend le jump HS. La note, est-ce qu'elle va toucher? Non. On tire. Et le burst. Et c'est Jackson.